Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous comptons pour nous capables ensemble matin, frères et sœurs, pour nous adorer le Seigneur. Et nous sentons que nous avons passé tout le temps à louer mon Dieu. D'ailleurs, dans le ciel, les anges sans cesse, ils ont loué mon Dieu. Il y a une voix dans le ciel là. Devant trône, les racheter, lorsque nous allons rassembler avec Jésus, nous allons faire louanger pour le temps et l'éternité, frères et sœurs. On nous content matin ou plutôt à midi, nous sommes ensemble et nous avons pile d'amis qui là avec nous, qui viennent adorer. Nous sentons que au Canada, il fait fret. C'est pas vrai, frères et sœurs? Hein? Canada, il y a assez de neige. C'est pas vrai? Et il y a un monde si intelligent. Ah, il a tout arrêté. Bon, si c'est moi-même, moi tout arrêté. Si c'est moi-même, moi pas tourner dans la neige là encore. Parce que Gonfredi, ce garçon pas camper l'autre bord. Il est passé l'autre bord en janvier. Regardez donc, Freddy a collé. Freddy a collé. Donc, c'est un miracle, mon Dieu, que nous, les Haïtiens, capables de vivre au Canada. Parce que nous sommes tellement habitués avec chaleur. Et lorsque, ou tenant Freddy, au Vinicite, ou est-ce qu'on va au lieu pour aller triste, avec tristesse, la caillou, entourez-vous. En tout cas, ce n'est pas un message, ma baille, vous comprenez? Mais quand même, nous, parole parler, parole comprendre. Nous comptons et ouais en pile réaction nous yo regardez longtemps pas avec Castel frères et sœurs et matin même regardez moi Castel là franchement que me content on pas demander pour m'pas demander pour camper mais seulement m'a dit s'il veut passer une bonne année pas quitter mon des oliviers chaque sabbat c'est pour lui venir dans mon des oliviers s'il veut passer une bonne année et lorsque je suis content encore frère accès moi parce que nous avons un pile d'amis non qui là nous avons un pile d'amis non qui là les dans l'assemblée à Milan chita bien bordé avec Marie Milan font petit camp pour peuple au Milan chita bien bordé avec Marie donc nous dit gloire à Dieu que nous pas connaît yo mais c'est mon pam que yoyé on pas mon pam que yoyé ça fait que je suis content que vous capable adorer avec moi madame et monsieur pour que vous capable adorer dans mon des oliviers que mon Dieu capable bénir nous abondamment. Nous comptons tout pour que nous soyons capables avec nous, Sabine Cajou. Et c'est nos aides, Jean-Louis. Même lorsque vous parlez de mes campés, c'est nos aides, nous comprenons ça. Mais nous comptons aujourd'hui, quand même. Avec tout le monde, le peuple est content pour vous avoir fait. Font-il campé. Amen. Fais garçon. Voilà. Donc, famille en complet. Donc, belle famille, ça, comme dit, avant d'aller. Faut faire une photo pour nous, pour mettre là dans l'église, là, reprendre, pour marquer tout ça. Nous content que nous là, que mon Dieu a béni nous, abondamment. Est-ce que Yves là, non? Non. Donc, il y a plus amis encore qui là, non pas de temps pour non yo, et nous disons, welcome, il y a des gens qui baissent la tête. Nous pas besoin de cacher, pas de citer nous encore, non, rete là, frère, c'est moi yo. Nous content que nous là. On prend Soraya quand j'ai appelé caché ou on Soraya m'a pas là OK on nous quitte ça là OK donc dis nous bienvenue quand même dans la maison de Dieu c'est le premier sabbat de l'année en fait il y a pile monde qui censé gagner problème avec moi pour ça parce que bien souvent moi dis non que l'année ne commence pas au 1er janvier en fait ça c'est bagaille qui vérifier ou capable vérifier ou capable aller dans tout document si vous voulez qu'il y a dans internet ou capable aller tous les documents yo accessibles. Donc, nous pas de connaître, moi-même, je pas de connaître tout, mais lorsque je viens de connaître, je ne suis pas capable de cacher ça. Année A n'a pas commencé en janvier, année A a commencé au mois de mars. Mais cependant, nous n'avons pas fonctionné dans le système, nous n'avons pas un choix, et bien nous sommes obligés d'aller avec lui comme janvier, comme le premier mois de l'année. Pour information, je dis que janvier, c'est le mois de Janus. Les Romains, ils étaient adorés ce Dieu à deux faces. Yon face vers l'avenir, on face vers le passé. Donc, ça fait dernièrement, yon été invité mal prêcher dans l'église. Moi, dis que, ah, si m'vini m'a gâté fête là, parce que a dit vini quand même. On dit vini comme dit, ah, m'a gâté fête là, parce que m'a dit ça qui vérité. Et mes frères, c'est une vérité que
l'année ne commence pas en janvier, l'année commence plutôt au mois de mars ou avril. Comme nous connaissons, lorsque Israël t'a sorti en Égypte, bon Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de l'année. Ce n'est pas de janvier que lié. C'est vers l'année 46 avant Jésus-Christ que Jules César lui-même lui fixé janvier comme le premier mois de l'année. Et ça fait en pile cérémonie qui fait dans le moment ça. Côté yo adoré Janus, il a dit au Dieu, ou même qui est l'avenir et le passé. Nous demandons pour capable protéger sénateur nous yo. Frères et sœurs, nous pas dans prière ça, nous pas gain rapport bagaille ça yo, nous même nous adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Donc comme nous dit que nous fonctionnons, nous sommes dans le système, n'a fonctionné là-dedans. Donc nous pas gain choix, nous aller avec lui, mais cependant, c'est une vérité d'ailleurs. Pour votre mois de septembre, c'est le septième mois de l'année. Octo, ça veut dire qui ça? Ça veut dire? Octo, ça veut dire 8. Lorsqu'on parle de octogone, okay? Nous nous habitons avec pentagone, n'est pas vrai? Penta veut dire qui ça? 5. Donc, un pentagone, c'est côté ça à Washington qui gagne 5 côtés, n'est pas vrai? Octogone, son côté qui gagne 8 côtés. Et octo en latin et en grec, c'est 8 que je l'ai dit. Donc en octo, le 8e mois, c'est qui m'a taillé? C'est le mois d'octobre. Comprenez bien que mon Dieu t'a bon rendez-vous. Il dit que ça que en 7e mois, m'attend nous. Et puis 7e mois, qu'on y a allé voir en juillet. Bon Dieu dit non, je ne pas de rendez-vous en juillet avec vous, je rendez-vous 7e mois avec vous. Donc lorsqu'on va chercher 7e mois, eh bien septembre en latin, c'est le dit 7. Septembre en latin. Novembre en latin veut dire 9. Décembre en latin veut dire 10. Nous habitons avec DK, 10, décembre, 10, décembre, c'est le 10e mois de l'année. Donc, mes frères, pas n'importe avec moi ici, donc je parle non. Ça, son vérité que lié, forme dit non, mais cependant, nous avons un système, les bagailles ont changé, nous avons un calendrier grégorien, donc par conséquent, pape Grégoire au 16e siècle, il a changé les bagailles, par conséquent, mes frères, nous avançons avec un calendrier Jean-Que lié. Donc maintenant, nous allons dans la parole de Dieu, nous allons retourner à notre message. Prayer makes the difference. On a dit que nous remercions Jeremiah pour son sermon si puissant, qui a un rapport surtout, qui tombait bien avec ce premier sabbat de l'année, parce que c'est le sabbat d'évangélisation, c'est le sabbat où nous devons mettre l'accent sur la grande commission, parce que chaque chrétien qui entre l'église, il est venu en missionnaire. Donc, faut me dire tout, lorsque Jésus retournait, nous ne pouvons pas le fêter le 1er janvier. Est-ce que nous comptons ça? Les Jésus retournés, nous ne pouvons pas le 25 décembre. Les Jésus retournés, faites tout mais en pile là. Les bagages sérieux pour le passer. Jésus pour le déchouquer tout. Et c'est calendrier Jésus à cap campé, frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que même lorsqu'on n'est pas d'accord avec moi, ou pas rien, mais ça m'a dit, mais forme d'oulie, parce que quand Jésus vient, les choses pour le changer et nous parlons dans le vrai calendrier, mesdames et messieurs. Maintenant, allons de la parole de Dieu dans 1 Chronique. 1 Chronique, est-ce que ça marche? Ok, voilà. Bien. Donc, nous allons aller dans la lecture 1 Chronique 4, 9 à 10, mais j'espère que nous sommes capables. Donc, Jabez était plus considéré que ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, ça va, et que tu étends dans mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te supplions d'avoir pitié de chacun de nous, que ton Esprit Saint parle à nos cœurs, et que nous soyons édifiés, que nous prenions des décisions pour la vie éternelle, pour te chanter, pour avoir une communion plus étroite avec toi et pour être prêt en ce jour-là lorsque notre Seigneur viendra. Exauce-nous, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Frères et sœurs, ici, dans un chronique en 4, son sorte de généalogie, côté que il a parlé un tel engendra un tel engendra un tel. Mais cependant, lorsque tu arrives sous Jabet, eh bien, on te a dit on font ti campé là. On dit on font ti campé là, et puis qu'on y a yo banon un peu d'histoire, bien que précise, de la vie de Jabet. Faut me dire donc que Jabet, livre le dit douleur. Jabet vle dit souffrance. Si non, mesdames et messieurs, que nous tapons petit, non, nous ne pouvons pas les lits, Jabet. Si non, nous tapons les petits, nous ne pouvons pas les lits, douleur, c'est pas vrai? Nous ne pouvons pas les petits, nous comment? Souffrance. En fait, on dit welcome à Sœur Lose, on dit happy birthday to her. We're glad that she can join us at this time. En Haïti, il y a un pile non dual que nous habitués. Dans l'église, là, heureusement, pas quelqu'un qui a un non dual. Alors, quelqu'un qui a dit charité. Charité pas non dual. Non, je connais non. Non, je connais non. Non, c'est ça. Non, je connais non. Moi, je connais non. Moi, je connais la charité pas non dual. Ok? Charité pas non dual. All right? Mais cependant, sur l'écran, nous avons une liste de nos droits que nous sommes capables de jouer. Timal. Pour nous faire petit ou elle, Timal. Ou faire petit ou elle, non point femme. Et marchant là, quand même, un élément, nous sommes habitués avec lui. Je te relève, monsieur minuit. Mais minuit, il faut me dire non, mes frères. Lorsque vous regardez, monsieur, vous t'avez dit vraiment c'est minuit. Donc ça fait, côté monsieur passé minuit. Par contre, si monsieur a vécu toujours, vous comprenez. Gémounio n'est pas gêné. C'est dernier. Gonseille de nos mes frères, mal pour honte. Non, même pas pour un petit, mal pour les mal pour honte. Vous comprenez. Ti manchette, c'est de ti misère, non point. Bon, comment? Par qui? Ah, mes amis. Hein? Donc, on? Bon, ok. Donc, mes frères, oh long Dieu, etc. Bon, me dire ça rapide, parce que, gen non bavle Noël, vous comprenez? Gen non bavle Noël. Donc, gen moun yorele, ça suffit. Gen moun lorsque on fin faire petite là bon on dit que OK yo pas faire visite encore yo relé les célérès on prend célérès on prend gen ça même bagala tellement pas bon pour yo et bien on fait petite c'est la vie donc mes frères gen moun qui arrivé relé petite li bruit sa patte non ça là ça c'est une jouette li mes amis pas faire ça pas faire ça. Mais mes frères, non, quand by Timoun, il y a une influence sur lui. Parce que dans le Proverbe 18, verset 21, il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez Timoun, où elle est mal pour honte, ou pas besoin de connaître Timoun, tu n'as pas espéré rien de bien de lui. Et chaque temps après Timoun, après elle, comment? Mal pour honte. Et non ça, li poil agit sous caractère. Li poil agit sous caractère li. Et ça fait par exemple dans Marc 3 verset 17, nous jouons Jésus te bay deux nègres Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques, Jésus te commandé le yo. Jésus est le Boanerges. Boanerges, ça veut dire fils du tonnerre. J'ai l'impression, Jacques à Jean, il n'y a pas de gens qui mangent rien fret. Heureusement, nous n'avons pas de Boanerges dans l'église là. Boanerges, ou pas capable de parler avec eux.
Et me songeais on leur côté Jacques agent monsieur il a parlé Jérusalem et puis il était doit passer par la Samarie mais il a parlé Jérusalem Samaritain pas voulait recevoir monsieur lui pas voulait Samaritain pas voulait recevoir Jésus parce que Jésus t'a parlé Jérusalem quand il y a Jacques agent dit Jésus ah, Seigneur est-ce qu'on voulait n'a commandé du feu saute dans le ciel. Et puis pour quand qu'on est. Et alors Jésus viré, les gars de Jacques, les gars des gens, il dit, monsieur, yo, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Donc c'est même parole là, vous voyez ça. Lorsque nous voulons destruction pour un frère, lorsque nous voulons marcher sur un frère pour nous, on seul boucher avec lui. Jésus dit ou pas connaît qui esprit qui animé ou pas qui esprit qui n'a. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Donc ça fait que mes frères Jésus tire les messieurs ça Boanès. Mais cependant, ça qui est intéressant, c'est que pendant Jésus et les messieurs ça travaille avec yo au fur et à mesure. Et puis après 3 ans l'école là, Jean tellement vine doux. Il y aurait les gens qu'on y a, le disciple comment? Bien aimé. Caractère Jean vine changer. Parce que Jésus tellement influencé sous lui. En créole, on dit Jésus tellement déteint sous Jean. Jean qui gardait Christ sous la croix. Il a crucifié Jésus. Jésus pas dit rien. Au contraire. Jésus a demandé pardon pour eux. Jésus a baillé bénédiction. Pendant qu'il a maudit Jésus. Alors, Jean dit, c'est pas possible. Et finalement, caractère Jean vient transformer. Au point que Jean pourra dire comme ça que voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ça fait que Jean Paul dit comme ça que celui qui aime, celui qui n'aime pas, n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. Jean l'a prêché le message de l'amour, frères et sœurs. En fait, depuis longtemps, nous avons l'histoire d'Esaïe, par exemple, côté que dans Genèse 25, verset 26, comment le conseil de monde était bas au nom d'après circonstances qui étaient passées. Par exemple, ici, Dudou ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Esaü. Esaü avec Jacob, ils ont fait ses frères qui étaient jumeaux, mais c'est pendant Esaü sortit avant, mais Jacob, ça le fait, lui quimbe talon Esaü pendant la sortie dans votre maman. Et puisque le quimbe talon qui est Jacob, ça fait, il aurait le comment? Jacob quimbe talon Esaü, il aurait le lui, Jacques. Jacob, parce que Jacob, lui, voulait dire, celui qui prend par le talon, ou celui qui supplante. Donc, ça fait que, si nous avons un petit nom, frère et soeur, je ne pas croire que nous parlons de Jacob non plus. Parce que Jacob, pas que Jacob l'église, il va vrai? Mais ok, je ne pas de problème, je suis en sécurité, je ne pas de problème. Donc, Jacob, ce n'est pas un bon nom, Jacob, ça veut dire voler. Jacob avait dit supplanteur. Comprenez? Qui prend par le talon. Donc ça fait Jacob lui-même lui rivé on là, il dit il est pas possible. Monsieur, la lutte avec mon Dieu, la prière avec mon Dieu. Pendant la prière, il rivé on côté, la goumé avec un monde, avec un ange. Mais ne pas te connaître si un ça, c'était l'Éternel même qui t'a goumé avec lui. Et finalement, ange t'a dit laissez-moi aller parce que je vais arriver. Jacob dit, non, papa, m'pap qui doit aller, sans pas venir. Et alors, on te dit, quel est ton nom? Ah, Jacob, il y a un problème pour le dire. Jacob dit, mon nom est supplanteur. Mon nom est voleur. Et dit, non, il dit, mais ton nom ne sera plus Jacob. Genèse 32, verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé comment? Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et
C'était une bénédiction pour Jacob, mesdames et messieurs. Mais cependant, mes frères, moi j'ai l'impression que en pile dans nous, faut bon Dieu font miracle pour nous, c'est pas vrai? Parce que comprenez bien, mes frères. Pour t'arriver dans le ciel là, pour me parler les monde mal pour honte. Hein? Pour me parler les, pour arriver dans le ciel là, il y aurait le petit mal sous la terre, et puis pour arriver dans le ciel là, vous sauver, et puis Jésus pour dire petit mal. Ça fait que la Bible me dit dans Apocalypse 2:17, la Bible dit que Jésus pour faire un miracle pour nos frères et sœurs. Dans Apocalypse 2:17, il dit que celui qui a des oreilles, qui ça? Entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui ça dit? À celui qui vaincra. Ça va passer. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai qui ça? Un caillou blanc et sur ce caillou est écrit qui ça? Un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Si c'est lui qui le reçoit. Nous disons amen, mes frères et sœurs, parce que Jésus va changer nos noms, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont de nous, à cause d'une erreur qui est passée, à cause d'une situation qui est censée honte. Chaque temps, il dit un tel, il rappelait tout passé. Mais heureusement, Jésus va changer nos noms, frères et sœurs. Jésus va le barreau, on en nous. Jésus va le barreau, on en nouveau. Ça fait que nos drôles saillots dans ciel là, j'ai l'impression pas gain yabets, nous yabets pour changer, nous qui veut dire douleur, souffrance. Et comprenez bien frère, c'est moi yo. Que ou à l'école et puis il y a après l'eau douleur. Hein? Ou à l'école, il y a après l'eau comment? Souffrance. Ou à l'école ou au travail? Moi songer que alors si tout élève lycée t'es chargé. Toute vie, moi, c'est dans le lycée Pétion, moi, fait lire. Et puis, gagnons professeur, je ne sais pas ça qui passe, monsieur. Dans la récréation, monsieur a râlé en bouteille de limonade pour le boire. L'aller dans la boutique là, on connaît l'école, il y a une petite boutique en face. Et puis, monsieur, l'aller l'a acheté limonade. Et puis, mais un élève qui entrait dans la boutique là, qui ouais mettre là, qui a boire limonade. Mettre là, c'est un professeur espagnol que le déye. Ça fait qu'on y a, lorsque yon entré dans la classe là, et puis, gen, pendant que je fait la classe là, et puis gen lève la musique, estoy limonado. Et puis, s'entendez à, mettre là lui-même, s'il était intelligent, li pata doit faire vieille réaction. Oh oh! Monsieur commence à naver bagaille de fait que l'élève là dit estoy limonado. Et s'entendez à, jusqu'à présent, je dis à moi, oublier nos professeurs. Ça me souvient, côté monsieur passé, c'est mettre estoy. Il y aurait les monsieur estoy, mettre estoy. Depuis monsieur paraît, mettre estoy. Estoy limonado. Donc ça c'est la vie de l'école. Ça veut dire, mes frères, que nous, on va bailler petit tout. Ça, li genyen yon gros importance en pou li. Mais pour Jabet, li pat vle yon douleur. Jabet te vle plutôt le capable yon bénédiction pour tout le monde que li rencontre. Li pat accepte ça que non te prophétise. Li pat accepte réalité ça. Il dit ça, il faut qu'il change. Bien qu'il y aurait le diabète, mais cependant lui-même, il connaît que c'est bénédiction que lui doit y avoir pour tout le monde que lui rencontre. Ça fait que dans les notes de la Bible à noter, Frédéric Godet lui dit que le nom de diabète est expliqué par le rapprochement avec le nom de douleur, avec transposition des lettres au Tsève. Il dit diabète, faisant allusion à son nom, demande à Dieu que ce nom ne soit pas de mauvaise augure pour lui. Et vers la fin du verset 10, la phrase reste suspendue, comme dans une prière. Comprenez bien, dans verset 10 là, Nablili dit que Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis
et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu ne me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Phrase n'a pas terminé. La phrase reste suspendue. C'est comme si son vœu que le fait à l'Éternel, une prière qu'elle a demandé à mon Dieu. Mais cependant, non, commencement verset a dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Pour qui ça? Parce que lui voulait un changement. Lui voulait une transformation. Mais transformation, ça, c'est Jésus qui a balayé. Par conséquent, Jabez lui invoquait le nom du Dieu d'Israël. Frère Samuel, je dis, il y a des gens qui ont cherché faire contrat avec diable pour gagner pouvoir. Des gens qui ont fait contrat avec Lucifer pour que yo capable gagner puissance. Mais cependant, si donc vous avez besoin de puissance, mesdames et messieurs, si vous avez besoin de changement, c'est donc où doit révéler le Dieu d'Israël. Vous devez invoquer comme Jabez le Dieu dit, le Dieu d'Israël. En fait, parfois Israël est en confusion. Il ne connaît pas qui est-ce qui est vrai Dieu. Mais Jabez lui-même, il connaît qui est-ce qui est bon Dieu. Dans le cas de Élie, nous songeons que Élie était obligé de parler avec monsieur. Il dit que bon, puisque moi, n'a cloché des deux côtés, ah non, camper pour nous faire un test pour nous dire qui est-ce qui est vrai Dieu. Au verset 23, il dit que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Verset 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'évoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et vous connaissez le reste de l'histoire. C'est que pendant que monsieur y a pris les dieux, y a pris les Baals, y aura les épées, y a fait tout signe simagri, en y est pas passé, et lui paraît, lui dit l'Éternel, que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je fais toutes ces choses par toi, par ta parole. Et même instant, pendant qu'il finit de parler, du feu descend, lui boulait l'Holocauste là, et tout le monde criait, c'est l'Éternel qui est Dieu. Frère Sémon, je dis à Gémon, avant de faire une série de bagailles, yo aller à le jeune diable pour faire contrat avec lui. Gémon, lorsque vous faites une visite, par exemple, il faut que vous ayez loi à manger. Il faut avoir les non-lois sous lui. Il faut y aller à Bokoa pour faire des bagailles sous lui. Mais nous-mêmes qui avons servi l'Éternel, nous n'avons pas de rapport à diable, nous n'avons pas de rapport à loi, mais nous avons un rapport avec le Dieu d'Israël que Jabez lui-même a invoqué. Ça fait, mes frères, si donc vous voulez réussir, vous devez invoquer le nom du Dieu de, le nom d'Israël. Ça fait dans Jérémie 10, il est dit que, mais l'Éternel est Dieu, attendez, non. L'Éternel est Dieu en vérité. Ça veut dire, mes frères, pas qu'il y a Dieu encore, sinon que l'Éternel des armées. Il est un Dieu vivant. Et un roi éternel. Qui ça dit encore? La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Verset 11, qui ça dit? Vous leur parlerez ainsi. Ça va dire, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Mais quant à notre Dieu, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par son, par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. C'est que Dieu, Yahvé, il est le Dieu en vérité et il est le seul Dieu. Lorsque la Bible, dans notre second, nous utilisons l'Éternel, c'est le bien, le tétragramme, YHWH. Au cours de la semaine, moi j'ai gagné en pile de démêlé avec un témoin de Jéhovah, les mêmes qui dit que non bon Dieu, c'est Jéhovah. Moi dit le cosa que non bon Dieu pas Jéhovah. Et puis qu'on a dit oh, soit dit là,
Nous disons, non, non, mon Dieu, pas Jéhovah. Et puis il dit, nous disons, à côté. Il dit, qui sache-toi dont le nom est Jéhovah? Nous disons, ça, c'est notre traduction, Paola, aujourd'hui. Parce que, si nous disons que, si donc, ou moins doué faire confiance à ça que ou même témoin de Jéhovah écrit, eh bien, m'a comprendre que non, mon Dieu, pas Jéhovah. Parce que dans le document témoin de Jéhovah, moi je que première fois que ce nom a été utilisé, c'est dans l'année 1270 par quelqu'un qu'on a appelé Raymondus Martini, lui-même qui est un prêtre catholique, c'est lui-même qui vient avec nom Jéhovah. Et me posait la question, me dit, est-ce que Jésus était qu'on utilise Jéhovah? Il dit non. Il dit, est-ce que apôtre était qu'on utilise Jéhovah? Il dit non. Il dit par conséquent, ou d'accord avec moi que non, mon Dieu, pas Jéhovah. Mais lui-même, il voulait rester dans ça que le gars dans la Bible. Mais en réalité, mesdames et messieurs, le nom de Dieu, c'est YHWH. Pas grand monde qui connaît comment prononcer. Mais en biblique, je crois que ce nom, c'est plutôt Yahvé ou Yahweh. Mais cependant, lorsque l'on dit éternel, eh bien, ça veut dire je suis. D'ailleurs, bon Dieu dit celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu, il est le même hier, il est hier, il est je suis, aujourd'hui il est je suis, et après il est je suis, par conséquent c'est éternel, mesdames et messieurs. Il est l'être éternel qui ne change pas. Eh bien, c'est que du coup, ce Dieu, il est Dieu en vérité, et il est un Dieu vivant, et un roi éternel. C'est ça que fait la Bible nous dit, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Pourquoi? Car Dieu est notre refuge. Dieu est notre protecteur. D'ailleurs, nous connaissons un psaume qui dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui et encore un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Maintenant, je me demande qui est-ce qu'on va invoquer, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on va invoquer le nom du Dieu d'Israël? Est-ce que il est votre Dieu? Nous disons ça, frère Axel Moyo. C'est triste pour que parfois, moun en dans l'église, il a servi mon Dieu, mais en même temps, il a pris les lois. C'est triste pour que moun en dans l'église, mais en même temps, il a pris les Ogon Ferraille. L'après les Esulidantor, l'après les Sainte Brigitte, mesdames et messieurs, sous l'éternel, ou pas capable dans la loi, ou pas capable dans le bon corps, ou pas capable dans Satan, parce que pas deux dieux, il y a un seul Dieu, et c'est l'éternel qui est Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église, il y a des maçons loges, ou pas capable l'église, et en même temps pour maçon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que dans ma son loge, il y a brûlé Lucifer. Mais là, mesdames et messieurs, Lucifer n'est pas capable de mettre pied. Parce que c'est côté Jésus adoré, mesdames et messieurs. C'est côté nous invoquer le nom du Dieu d'Israël. Et ça fait la parole aujourd'hui. Si donc vous êtes dans ma son loge, au nom de Jésus, avant toi t'as pour venir joindre Jésus de Nazareth. Si vous t'avez adoré loi, au nom de Jésus, venez aujourd'hui, vous va délivrer pour le temps et l'éternité. Père, lorsque je me convertis, oh, papa me fâchait avec moi. Je dis, ou pas qu'on s'en te fait pour vous? Ou pas qu'on s'en te fait pour vous? En fait, avant, à Kaïmoué, c'est côté au servi loi. Et, gain de loi a servi. La fois loi vini, gagne on sent on parfum ou yo kon mette sou yo pas capable prendre sent ça, m'étais toujours allergique avec. Et m'étais banqué mouri, m'étais petit. Yo t'a mangé ouin, c'est caille boko. On nèg yo t'ai l'oreille. Que yo t'ai menem. L'oreille c'était boko du Valier micheté. Mais lorsque moi commencé grandir, ma tante moi ouais maçon yo k'a passé. Il dit, courant, ma foi entre dans maçon. Et mesdames et messieurs, moi content de ce que moi pas entre dans maçon. Moi content de ce que je pas suivre ça encore, même t'es choisi Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Et si je pas choisi Jésus, je dis, je me bat là encore. Et alors,
lorsque me convertis, papa me dit que ne pas reconnaître comme petit encore. Si donc où t'as entré là, pour qu'ils soient pas faux baptistes, pour qu'ils soient pas faux pentecôtistes, pour qu'ils soient là où à l'entrée. Et c'est après me pas le comprendre pour qui ça, mesdames et messieurs. Me pas le comprendre pour qui ça, c'est lorsque nous commençons à prêcher l'évangile. Et puis la caille là, qui gardait par l'eau, qui était gardée par loi. Et puis qu'on y a, sous galerie, nous fait service, toute loi bâtie. Et puis qu'on y a, loi a attaqué papa. Lorsqu'il a attaqué papa, oui. Et puis qu'on y a, papa bien mal dans la nuit, maman m'a dit, elle fait route. Et puis il a dit que ça, c'est moun sa yo. C'est moun sa yo qu'on mettait sous galerie. Moun sa yo, nous pas mêlé avec yo. Côté yo, yon nous pas arrêté. Qui moun sa yo, frère et sœur? Adventiste yo. Loi yo pas mêlé avec nous. Yo dit côté yo, yon pas arrêté là. Puisque c'est la galerie, frère, c'est moi. Tout la koua, c'est la koua qui gagne loi, oui. Mais sous galerie, non, yon, oui. Mais le fait que n'aprele mon Dieu, n'aprele le nom du Dieu d'Israël, puissance, mon Dieu, manifesté, Satan, baïté à blanche, Jésus vini, lui manifester puissance, et Satan prend la fuite, frères et sœurs. La fait, mes frères et sœurs, si nous te connaissons puissance, non. Si nous te connaissons pouvoir, non. Nous ne pouvons pas marcher dans la tête, dans la lutte, dans le gourmet, frère, c'est moi, yo. Puissance, mon Dieu, t'a manifesté dans la vie, non. Si nous te connaissons, projet, mon Dieu, pour nous-mêmes qui chita là, mesdames et messieurs. Alors, mes frères, Jabez, il invoqua le nom du Dieu d'Israël. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi pour cette nouvelle année. Je vous invite à invoquer le nom du Dieu d'Israël. Et ça, Jabez demandé, mon Dieu. Jabez dit, si tu me... Qui ça, Jabez demandé, mon Dieu? Si tu me bénis. Maman te demande qui ça pour lui? Douleur, c'est pas ça? Lui te demande pour lui qui ça? Souffrance. Lui te demande pour lui qui ça? Yon vie de souffrance. Mais j'avais dit non! Moi parle contre l'éternel et faut que l'éternel change la situation. J'avais dit que moi pas accepter une vie comme ça. Et alors, là, lui dit l'éternel, si tu me bénis et que tu étonnes, mais limite. J'avais dit, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Oh, frères et sœurs, moi, je pensais que dans le commencement année ça, nous besoin de faire une prière, même gens, avec la prière de Jabez, ça, frères et sœurs. Nous besoin de demander, bon Dieu, pour lui, bénis-nous. Nous besoin de demander, bon Dieu, grâce-lui. Alors que nous avons cheminé dans cette vie qui est tellement pleine de problèmes, de difficultés, virer tourner, tirer à droite, tirer à gauche, problème à droite, à gauche, nous avons besoin que l'Éternel nous bénisse, mesdames et messieurs. Parce que la parole de Dieu, il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et moi, je crois que, il y a un monde qui chita là, il a besoin pour mon Dieu béni le matin. Il y a un monde qui chita là, il a besoin d'une délivrance de la part de l'Éternel. Et alors, Jabez dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, et alors, qui s'est passé, bon Dieu, l'exaucer Jabez. Mes frères et sœurs, quelqu'un a écrit que la prière de Jabez, a changé sa destinée. En dépit de son nom peu agréable, Jabez était honoré plus que tous ses frères. Wow! Malgré que c'est lui qui a eu un nom qui portait malheur, mais cependant, lui-même n'a pas accepté ça, lui la prière, et alors, Jabez béni. Jabez, vignon non, côté que, qui fait différence. C'est ça que nous dit que la prière fait la différence. Peut-être que frère Jabez, il n'y a pas de la prière, yo même. Mais Jabez n'a pas accepté la situation. Et la prière de Jabez a changé
sa destinée. De même aussi aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous ne connaissons pas si donc nous acceptons la situation, la vie qu'on a menée, la vie de végétation, la vie qu'on a menée là. Nous sentons que faut un changement. Et si nous avons besoin de changement, ça, nous devons invoquer le nom du Dieu, le nom du Dieu d'Israël, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, matin, hein, moi, t'as demandé à mon Dieu que le capable bénir et que le capable les plus honorer au travail. Lorsqu'il y a gardé pour voir son monde qui béni. Oh, dernièrement, il y a un élément qui attaque mon travail là. Et puis, l'autre monde, l'autre employé, dit oh, monsieur, par contre, à qui est-ce la parler là? C'est avec ça, lui. Lorsqu'on attaque ça, c'est pas avec lui on a fait, non. C'est avec bon Dieu on a fait, oui. Oh, frères et sœurs, nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir nous. En sorte que vie ou, li pa yon vie de misère, Jacques Lié, mais année sa vie ou, li capable yon vie de prospérité, côté l'éternel des armées, li capable accompagner ou, que meni capable avec ou, dans tout ça qu'on a fait, dans travail là. Vous pouvez considérer comme le plus honoré au travail. À l'école, lorsque vous avez besoin d'un monde dans l'école, là, un monde sérieux pour faire un bagage à l'école, là, c'est vous-même même pour y aller. Moi, songe en 2010, lorsque le tremblement de terre a passé en Haïti, dans le travail, là, il y a un pile mouvement qui a fait pour être capable d'aider les Haïtiens qui sont en Haïti. Et puis, quand ça met le travail à la vie de côté, moi, il dit, Sal, man, I need your help. Il dit, qui s'en voulait? Il dit, mais, I know I have been in Haiti. Je connais ce qui passe en Haïti, en pile mode de la souffrance. Et je t'ai aimé aider les Haïtiens. Et puis, Kounia, monsieur dit, qui ça me fout me faire là? Parce que je t'ai aimé bailler un cob, côté que pour ne pas prendre taxe là-dedans. Il dit, mais pas de problème, non, je ne suis pas capable. Je dis, comment on fait ça? Il me dit, que quoi, on va bailler là? On va bailler là? Je vais voyer, je vais transférer le sous, non, l'église là. Sous la mission, et la mission pour le bao, ça que l'on la mission gagne 4-1-6-3, et avec ça, il va prendre taxe à Dani. Et puis je dis, man, I love that. Et puis, comme ça, moi fais des marchés, la mission voue papier, et puis s'entendez à tout, chaque monde recevoir $200. Mais c'est l'autre jour, je m'apprends comment que grand élément qui dit, nex sal na sa, faut me compter avec quand même. Pour qui ça? Monsieur dit que moi fais le perdu en $200. Vous comprenez comment? Parce que Kobla met travail à vle pour arriver by moun en Haïti. Kobla li pas pour ici. C'est pour moun en Haïti. Et kounya yo mande chaque haïtien by moun yo gagné en Haïti pour que Kobla capable agir directement. Ça fait lorsque Banco là vous voyez comme la transfert directement sous nos mounio en Haïti. Et gros élément qui dit que ça que moi fait le perdu comme ça parce que comme ça le pas jamais voyer en Haïti, c'est dans projet d'ab Kembélé. Et alors qu'on y a ça le faire. Gros monde en Haïti, il relé mon Haïti là. Il voyez comme là ça dit que gros cop qui a bien joué nous, voyez $100 avant moi la dernière. Faut accepter aussi. C'est bagaille triste. Mais cependant, notre travail là, directeur et maître travail là, li rele moi, kounya li organiser prière en dans travail là. Li fait tout le monde réuni. Li dit ça le vini prier avec moun yo ban moi. Faut accepter moi yo, moi mandé que année ça que l'Éternel li capable bénir ou de manière qu'on capable plus honorer soit au travail, soit à l'école, soit à l'université, quand on passe, bénédiction, bon Dieu, capable de reposer sur vous qui là. Moi, je souhaite que, moi, prier, mon Dieu, que le sang de Jésus-Christ capable de couvrir que maladie qu'on gagne, capable d'aller au nom de Jésus de Nazareth. Moi, prier, mon Dieu, au nom de Jésus, que le sang de Jésus capable de battre la victoire dans tout combat qu'on gagne. Et que tout diable racial, Jésus, capable de bonne victoire sur vous. Tout sac de mal qui a été ouvert pour vous, au nom de Jésus, vous capable de délivrer pour le temps et l'éternité. Nous prions Jésus pour être capable de bonne victoire et que vous capable toujours à la tête.
et non à la queue. Oh, frères et sœurs, nous prions l'Éternel, le Dieu d'Israël, que vous soyez bénis et que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez. Oh, frères et sœurs, grand chant qui dit que Père est tendre et secourable. J'ai souvent enfreint ta loi, mais quoi impur et misérable, pardonne et bénis-moi. Nous t'aimons, mon Dieu, bénis nos matins, mesdames et messieurs. Nous pas t'aimons quitter ça là, même avec Jacob, pour nous dire, moi, pas quitter aller, sans qu'on pas bénis moi. Jabez, il sentit que sans la bénédiction de l'Éternel, il pourrait mener une vie de misère. Et alors, il dit, Éternel, bénis-moi. Père tendre et secourable, j'ai souvent enfreint ta loi. Crois impur et misérable, oh pardon et bénis-moi. Bénis-moi, oh pardon et bénis-moi. Père tendre, Père tendre, Père tendre et secourable, j'ai souvent enfreint ta loi, crois que plus. Secourable, Père tendre et secourable, j'ai souvent enfreint ta loi, moi qui est pur et misérable, oh pardonne et bénis-moi. Dieu Tout-Puissant, Dieu de notre délivrance. Au nom de Jésus, nous avons invoqué nom sur ton assemblée en cet instant. Nous avons invoqué bénédiction sur ton peuple. Parce que c'est ta bénédiction qui enrichit. Nous sommes capables de gagner toute bagaille dans la vie. Ça. Mais si donc nous n'avons pas gagné bénédiction, nous n'avons pas gagné absolument rien. C'est ça que fait la supplier. Papa, nous qui dans le ciel, gagne pitié pour Père Pouvoir. Gagne pitié pour Moulin Olivier. Gagne pitié pour adorateur yo dans la salle là. Gagne pitié pour adorateur yo sous ligne. Ça qui est sur YouTube, ça qui est sur Facebook. Au nom de Jésus de Nazareth, n'a pas de bénédiction, n'a pas de délivrance, n'a pas de guérison, n'a pas de secours, n'a pas de assistance, n'a pas de lumière, n'a pas de puissance, n'a pas de l'Esprit Saint. Que puissance capable manifester dans cette assemblée. Que l'Église, à Dieu le Tout-Puissant, ou capable prendre. Par puissance pour conduire, pour pallier la victoire. Car Satan crampé pour faire nos peurs. Satan crampé pour terrasser nous. Mais nous connaissons avec Jésus. Pas qu'il y ait pour nos peurs. Avec Jésus, nous avons la victoire. Selon qu'il est écrit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dieu Tout-Puissant, Dieu de notre délivrance, exaucez-nous aujourd'hui. Bénis ton peuple aujourd'hui. Sauve ton peuple aujourd'hui. Guéris ton peuple aujourd'hui. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Et lorsque nous allons partir, côté nous va aller. Lorsque nous sortons, nous va bénir. Lorsque nous en route, nous va bénir. Lorsque nous arrivons, nous va bénir. Côté nous passer, bénédiction capable accompagner nous. Exaucer prière nous. Sauvez nous. Et même Jean avec Jabez. Même jour, tu as changé la vie, serviteur. Changez la vie aujourd'hui. Transformez la vie aujourd'hui. Nous t'aimons une bénédiction pour vous. Côté nous passer. Dans le travail, nous avons une bénédiction pour vous. Dans l'école, nous avons une bénédiction pour vous. Dans le bus, nous avons une bénédiction pour vous.
pour vous. Ne marquette là, yon bénédiction pour vous. Que l'Esprit Saint li capable d'entrer dans la vie, non. Pour le transformer, non. Pour le changer, non. Pour le bâtir, pour mener une vie de victoire. À la gloire de ton Seigneur. Marcher avec Père pour vous. Diriger Père pour vous. Sauver Père pour vous. Bénir Père pour vous. Bâtir la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. À lui la gloire. Au siècle des siècles. Amen.